Ottawa marque la frontière entre les provinces du Québec et de l'Ontario, et plus exactement la partie entre la langue française et anglaise. Ottawa fut désignée capitale du Canada en 1857 par la reine Victoria. Tout visiteur ne manquera pas de visiter la colline du Parlement, un des symboles du Canada. Ce majestueux édifice d'art néo-gothique, au toit de cuivre, est le centre névralgique de la ville et du pays. Parlement et chambre de communes calquées sur le modèle britannique. Le drapeau canadien qui flotte au-dessus de la tour de la paix du Parlement est changé tous les jours et est donné à qui le demande. Seul souci, la liste d'attente est aujourd'hui de 56 ans. Le Parlement a été entièrement détruit en 1916, à l'exception de sa superbe bibliothèque octogonale. Toucher les portes d'entrée de la bibliothèque est censé porter bonheur. En effet, lors de l'incendie de 1916, une employée avait eu la judicieuse idée de fermer ses portes, sauvant ainsi les ouvrages des flammes destructives. Autre symbole, le canal Rideau qui divise la ville en deux. En hiver, le canal Rideau est la plus grande patinoire au monde. Le canal Rideau relie Ottawa au port de Kingston sur le lac Ontario, 202 km. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Ottawa, on n'oubliera pas de se laisser absorber par de nombreux musées, et en particulier le Musée canadien d'histoire des civilisations. Pièce maîtresse, la grande galerie qui met en valeur les majestueux mâts totémiques et les pirogues.
un village entouré de hautes palissades comme le village d'Astérix, s'étend sur un hectare environ, et témoigne de la vie d'autrefois chez les Hurons van Dyck. Oh bah dis donc, ne saute pas dessus, hein. C'est moi. C'est toi? C'est toi qui? C'est moi, pipi d'ours. Une tradition qui est encore omniprésente dans les cultures amérindiennes de toute l'Amérique du Nord. Canada, États-Unis et même le Mexique, la hutte de Sudation. Alors c'est un lieu de réunion, c'est un lieu de méditation, et c'est un lieu pour prendre un verre. Alors, on a une décision importante à prendre. Bien, les chefs de clan vont se réunir à l'intérieur. Opération très simple, un feu, des pierres sur le feu. Et quand les pierres sont très chaudes, on les amène à l'intérieur, on ferme, de l'eau, vapeur, sauna. Et on discute. On discute d'un seul sujet à la fois, pas deux, trois ou quatre, un seul. Et au besoin, on ajoute des pierres, parce qu'on ne sort pas tant qu'une décision n'a pas été prise. Et quand la décision est prise, ça devient une loi, comme une loi votée par votre Parlement. Il est beau. Plus haute que les chutes du Niagara, mais moins impressionnante, la belle chute de Montmorency est exploitée au maximum sur le plan touristique. On n'y passe pas des heures, mais le détour vaut le coup pour se balader sur les passerelles et les ponts suspendus, profiter des points de vue et emprunter les escaliers qui s'agrippent à la falaise. Nous avons saisi l'occasion pour traverser les chutes par la Tyrolienne, un moment inoubliable.